Mais cet ambassadeur en Guinée, puis secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, gouvernement provisoire, entre 1960 et 1961, période durant laquelle vous prenez part aux négociations des accords d'Évian. À l'indépendance, vous dirigez l'hebdomadaire Révolution africaine. À l'arrivée au pouvoir de Claude Ouachmounier, vous êtes mis en prison jusqu'en 1968. En résidence surveillée en 1971, vous vous exilez en France en 1973, pays où vous débutez une brillante carrière universitaire de sociologue et historien, notamment à l'Université Paris 8. Vous êtes actuellement professeur émérite à la retraite. Reconnu par vos pairs pour la rigueur de votre démarche scientifique en recherche historique, vous êtes aujourd'hui un historien de référence du nationalisme et de la révolution algérienne. Également journaliste et politologue, vous avez mené de nombreux travaux et rédigé divers ouvrages sur le mouvement national et la lutte des libérations nationales. Parmi votre riche bibliographie, je citerai notamment, respectant l'ordre chronologique, aux origines du FNL en 1975, le FNL Mirage et réalité en 1980, Archives de la révolution algérienne en 1981, la guerre commence en Algérie en 1984, l'islamisme dans tous ses états en 1991, le nouvel ordre international en 1992, l'Algérie et son destin en 1993, une vie debout dans le temps de Rondéloi en 2001, essai sur les fondements du pouvoir chérifien avec Brahim Abay en 2002,